Comment préparer de l'eau de gombo pour les diabétiques? Comment préparer de l'eau de gombo pour les diabétiques? Si vous êtes diabétique ou connaissez quelqu'un qui l'est, vous vous êtes peut-être demandé s'il y avait des remèdes naturels qui peuvent aider à traiter cette maladie. En fait, ils existent, et la science commence à peine à réaliser quel profit nous pouvons tirer des plantes que nous avons eues à notre disposition depuis la nuit des temps. L'une de ces plantes est le gombo. Un verre d'eau de gombo peut faire des merveilles contre le diabète. En fait, les gens appellent le gombo un super aliment. Le gombo est un légume de haute qualité originaire d'Éthiopie et s'est fait exporter aux Amériques où les gens l'ont cuit et frit pendant un certain temps. Il a été démontré qu'il aidait à guérir certaines maladies comme le diabète grâce à l'effet qu'il a sur la glycémie. Beaucoup de gens l'utilisent aussi pour prévenir le cancer. Les gens font souvent frire les gousses, les ajoutent aux soupes ou les font bouillir et les servent avec d'autres plats, mais vous pouvez aussi faire de l'eau de gombo pour profiter des bienfaits de la plante. Ces gousses sont très peu caloriques, riches en éléments nutritifs, sans effets secondaires, et ne contiennent ni graisse saturée ni cholestérol. Études sur le gombo et ses effets sur le diabète. A effectivement eu des études faites sur le gombo qui ont démontré qu'il était efficace pour réduire les niveaux de glucose dans le sang instantanément chez la souris et que ces niveaux diminuaient progressivement au fil du temps. Pour ce qui est des humains, des diabétiques ont déclaré qu'ils avaient remarqué une baisse des niveaux de sucre dans leur sang après avoir consommé de l'eau de gombo. Une eau obtenue en laissant le gombo dans un verre d'eau pendant la nuit et ensuite de boire l'eau le lendemain matin. Il existe d'autres façons d'introduire le gombo à votre alimentation telles que les jus des feuilles de gombo. Cependant, l'eau de gombo semble être la méthode la plus efficace. La raison derrière cette baisse des niveaux de glucose semble être les fibres dans le gombo qui ralentissent l'absorption du sucre par les intestins. Autres avantages du gombo. Le gombo n'est pas seulement bon pour les diabètes, de nombreux experts pensent qu'il pourrait prévenir le cancer et certaines autres maladies. C'est une excellente source de fibres, de vitamines et de minéraux essentiels ainsi que d'antioxydants. L'eau de gombo prévient également la constipation et soulage le transit intestinal si vous êtes constipé. L'eau de gombo peut réduire le risque de cancer, notamment le cancer du côlon. Il aide également à soulager la dépression et fournit de l'énergie pour la journée s'il est bu le matin. Il réduit l'inflammation, il peut donc aider à traiter le mal de gorge, les ulcères et même l'inflammation des poumons,